Monsieur Brégaudeau, cher public, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Monsieur Brégaudeau, ne nous mentons pas. Parmi les mastodontes médiatiques qui sont venus récemment débattre, Alain Juppé ou Nicolas Hulot, vous faites figure de poids plume. Une plume que vous avez pourtant séduisante. Vous êtes entre autres l'auteur d'Entre les murs et co-scénariste du film éponyme. Malgré ces attributs, vous êtes finalement un peu l'ange anonyme de cette saison des mardis. Vous savez, cet individu qui se glisse incognito parmi les candidats relativement plus célèbres de l'émission Les Anges de la télé-réalité. Ah, et il fallait vous y attendre, monsieur Brégaudeau, nous sommes en école de commerce et nos références divergent. Nous noterons néanmoins, sans forcer une si élogieuse comparaison, que ce candidat est habituellement le plus atypique et en un sens le plus intéressant. Serait-ce votre cas ? Vous apportez une dimension culturelle bienvenue à notre tribune à l'occasion de la semaine artistique de l'ESSEC baptisée Le Grand Bazar. Nous n'aurions pu choisir meilleur invité, tant votre œuvre brille par son hétérogénéité. Acteur, scénariste, auteur de BD, critique de cinéma, chroniqueur littéraire, enseignant et parolier. Véritable homme orchestre du paysage culturel français, vous assumez de multiples visages. Si d'aventure la critique venait à couper une tête de cette hydre de lettres, il lui en repousserait deux autres immédiatement. Alors nous avons tenté de remonter à vos racines pour comprendre cette multiple identité. Fils de professeur, vous n'aimez pas plus que cela l'école. Vous préférez, selon vos mots, le contact des blaireaux, mais également des Canaries, une vraie ménagerie, puisque vous suivez avec ferveur l'équipe du football club de Nantes. Déjà adepte du grand écart ou du contre-pied, vous, l'amateur de sport, abritez dans un autre coin de la nébuleuse Brégaudeau un passif de punk. Vous donnez un nom à votre jeunesse, Zabriskie Point, groupe de punk rock dont vous êtes le parolier et chanteur, en parallèle d'une classe préparatoire littéraire. Vous affirmez d'ailleurs, c'est sans doute ce que j'ai fait de plus rigolo, intense, passionnant dans ma vie à ce jour, la canne et la cogne, un profil atypique, vous dis-je. Le groupe s'arrête en 1999, et aux salles de concert succèdent les salles de classe. Une fois agrégé de lettres modernes, en un clin d'œil, le lycéen indolent cesse de n'en faire qu'à sa tête, rejoint le corps enseignant et prend désormais son rôle à cœur. Professeur de lettres au Collège Mozart dans le 19e arrondissement parisien, vous êtes confronté au rejet du système éducatif et à une réalité sociale bien abrupte. De cette expérience, vous tirerez le matériau brut qui fait la force et la sincérité d'Entre les murs. Le livre est salué et recevra le prix France Culture Télérama avant d'être adroitement adapté à l'écran avec votre scénario et vos traits. Il sera primé à Cannes, mais vous confiez un an plus tard à un journaliste de l'Express. La Palme d'Or m'a plu de nuit. Chacun ses problèmes, dirons-nous. Espérons simplement que celui-ci ne vous empêche pas de dormir la nuit. Aux salles obscures succède la plaine de lumière des plateaux d'émissions culturelles tels que Le Cercle sur Canal+. Entre le poste de fonctionnaire et le poste de télévision, vous avez fait votre choix. Brégaudeau s'acoquine avec Bec Bédé et semble désormais plus proche du bobo intello que du gaucho défenseur du ghetto. Les cahiers du cinéma, Le Monde et Transfuge vous ouvrent leurs colonnes. On frise peut-être même la surchauffe lorsque vous livrez une interview sexologie pour Le Figaro Madame. Dans une chanson des Zabriskie Point, vous écrivez « Avant, j'étais un intellectuel de gauche. J'étais de toutes les orgies, de toutes les débauches. Le succès, un jour j'ai eu l'idée d'en faire une chanson. Le succès m'a ouvert les yeux sur ma vocation. Le jeune Brégaudeau aurait-il été visionnaire ?» En définitive, le charme Brégaudeau est peut-être d'assumer avec aplomb et sincérité ses contradictions. Vous réconciliez le cancre et le professeur, le punk et le football. Vous dites vous éloigner de la politique, mais y revenez sans cesse, écrivant même un récit autobiographique au travers de votre engagement politique passé, intitulé « Deux singes ou ma vie politique ». Pourtant, vous devez vous douter qu'il nous tarde déjà au mardi de sonder vos convictions. À la croisée des chemins, vous vous plaisez à décloisonner les univers, à tel point que nous aurions volontiers rebaptisé votre œuvre à travers les murs, impressionné par votre facilité à changer de registre ou à vous risquer sur de nouveaux. Nous vous souhaitons, monsieur Brégaudeau, cher public, un débat tout aussi libre et ouvert. Bonsoir, monsieur Brégaudeau. Pour commencer, vous disposez d'un droit de réponse si vous souhaitez sur la présentation de Timothée Mathieu.
Moi, je suis un obsédé des dates parce que ça me vient de mon marxisme profond. Je pense qu'il faut toujours penser les choses en termes d'historicité et de bien voir dans quelles conditions réelles d'historicité et de succession se sont faites les choses. Donc, ce qu'on vient d'entendre est extrêmement approximatif sur les dates. Il n'y a pas d'un seul coup, j'étais prof et après, je me retrouve entré au Cahier du cinéma. J'ai écrit mon premier article au Cahier du cinéma en 1995. J'en ai écrit quelques-uns à l'époque. Et puis, j'y suis entré en 2003, à l'époque où j'étais encore prof. Donc, tout ça se joue de façon plus simultanée que successive. Ce qui casse factuellement, je dirais... La story qu'on vient d'entendre, qui est finalement une story assez très convenue et en l'occurrence très falsifiée, c'est très simple, d'abord le type aurait à voir avec le réel, il serait du côté des ghettos, puis après c'est bobo, tout ça, voilà, ça se croirait vraiment chez Marc-Olivier Fogiel, donc je vous remercie de m'imposer ça, je ne pensais pas que j'avais fait 40 minutes de RER pour retrouver Marc-Olivier Fogiel, mais enfin c'est toujours un plaisir parce que je l'aime beaucoup. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, et plutôt que de jouer ce récit-là justement d'une espèce de corruption, hein, finalement, on renierait l'ancrage prolétarien auquel on tient tellement, et ben, je crois qu'il faut plutôt le penser comme quelque chose de simultané. Je pense qu'on peut tenir ensemble un certain nombre de choses, et c'est ce que je me suis efforcé de faire. Bien, merci pour ces précisions, on fera mieux en 5 minutes la prochaine fois. Avant de commencer, nous tenons à signaler que nous avons pris le parti de ne pas parler entre les murs ou de limiter son évocation, puisque nous avons compris que cette étiquette vous irrite, et aussi parce que c'est tout de même assez réducteur de vous associer uniquement à ce film, alors que vous êtes beaucoup plus que ça, comme la présentation l'a montré de façon très approximative. Très bien. Alors, première question, peu surprenante finalement, vous vous y attendez. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre brève intervention, vous êtes marxiste. Alors, qu'est-ce qu'un marxiste vient faire dans une école de commerce ? Ben, j'espère qu'on peut quand même discuter avec tout le monde. Et puis moi, non, je le fais un petit peu par curiosité. Je dois dire aussi que le premier d'entre vous qui m'a contacté pour venir, le contact a été très bon, donc ça peut aussi se jouer comme ça, avoir le sentiment comme ça d'une sympathie immédiate, donc c'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, moi je suis pour parler avec tout le monde, n'importe qui, n'importe où, ce qui me paraît une des définitions de la démocratie. Il faut savoir aussi que la circulation d'un écrivain, je sors un livre d'ailleurs bientôt, dans 3 semaines, qui s'appelle La politesse, et qui fait circuler un auteur dans le champ culturel, hein, de festivals littéraires, en rencontres en librairie, et puis invitation dans une médiathèque, ou peut-être émission de radio sur France Culture, ou ailleurs d'ailleurs. Et ce milieu-là contient aussi ses propres clichés, sa propre répétitivité, sa propre routine. Et je dois dire que tout ce qui peut casser un peu cette routine-là peut m'enchanter. C'est-à-dire que effectivement, dans le champ culturel, qui n'est pas aussi à gauche qu'on le dit d'ailleurs, il est même en sérieuse voie de droitisation, un petit peu comme la gauche en général. Mais enfin, c'est vrai qu'il reste quand même des tropismes, je dirais, de gauche dans le champ culturel. Bon, et en même temps, ça finit par posséder du réflexe idéologique, et les réflexes idéologiques ne m'intéressent pas beaucoup. Donc je suis assez content de casser cette espèce de petite routine qui est celle d'un auteur quand il circule. Merci, on est contents nous aussi. Avec une quinzaine de copains, vous avez formé le collectif Othon, parce que c'est plus facile à prononcer que Ocabillo. Et vous faites du cinéma politique et social, tendance, je vous cite, « gauche verdoyante ». Vous rencontrez toutefois des problèmes de financement et notamment des rejets du CNC qui refusent des avances sur recettes, ne lisez pas mes notes. Donc première question, qu'est-ce que la gauche verdoyante ? Et ensuite, comment c'est possible d'avoir des problèmes de financement quand on a le bagage d'une Palme d'Or et d'un César ? La gauche verdoyante, j'y reviendrai peut-être comme ça, incidemment, à travers d'autres choses. On va plutôt se concentrer sur l'autre question qui, à elle seule, nécessiterait beaucoup de méticulosité dans la réponse. D'abord, c'est aussi un élément de réponse à la présentation qui a été faite. Ce collectif qui fonctionne en autoproduction et dans une certaine précarité existe encore, existe plus que jamais. Il a d'ailleurs commis un film sur Cergy qui a été tourné ici en 2012, plutôt dans les quartiers populaires de Cergy, où il y a assez peu de bobos, parce que ce réel-là nous importe. On a aussi fait un film à Montreuil, qui n'est pas exactement un quartier extrêmement... Enfin, une ville embourgeoisée.
Et puis récemment, on a fait quelques docu-fictions qui sont plus ou moins disponibles. Sur l'économie, il faut savoir que, je dirais, 90% des gestes de cinéma qui sont commis en France dans un temps donné sont des gestes amateurs. Il faut le savoir. Il y a un art qui bénéficie d'un certain nombre de subsides publics ou alors comme ça de l'aide de boîtes de production privées, et souvent d'ailleurs des deux, plus le complément du financement par les chaînes. Bon, là, c'est ce système-là qui produit d'ailleurs un cinéma français qui est relativement dynamique, hein, d'un point de vue, en tout cas de strictement quantitatif, sur sa qualité, on pourrait discuter. Mais à côté de ça, de tout temps, et peut-être a fortiori maintenant qu'il y a une démocratisation des outils du cinéma, qu'il est maintenant assez facile d'avoir une caméra, assez facile de tourner, assez facile de monter grâce à des logiciels, il y a énormément de gens qui fabriquent du film, mais lesquels n'ont pas forcément de destination, parce que voilà, il se trouve qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Nous, on fait partie un petit peu de ça, et ces films, on arrive vaguement à les projeter ici ou là, et puis on les fait dans une économie très très relative, autogéré, mais chez nous c'est presque assumé, je dirais. Hein. Il y a presque un geste volontaire là-dedans, puisqu'on arrive à faire ces films-là, on arrive à s'amuser à les faire, on essaie d'y trouver de l'intérêt, on essaie de tirer de notre propre pratique l'ensemble de notre joie et pas forcément de la réception qui accompagne ces œuvres. Je crois que c'est ça le principe de la bonne humeur quand on est artiste, c'est de trouver de la joie dans la pratique même, sans attendre forcément les suffrages et la validité et la légitimité par le succès ou par le regard des autres. Donc ce collectif tient beaucoup comme ça. Et il y a eu un moment, notamment pour le film sur Montreuil, on avait demandé des aides, on était rentré dans un système comme ça de note d'intention pour passer au CNC, lequel CNC étudie le dossier et vous donne ou pas de l'argent. Et puis bon, il se trouve que là, on n'a pas eu l'argent, ce qui sont des choses qui arrivent, hein. C'est même le lot commun de ceux qui demandent. Et finalement, on s'est dit, après cette expérience, que c'était pas utile d'à chaque fois refaire le parcours du combattant, et que finalement, on se satisfaisait assez bien de cette économie parallèle qui, d'une certaine manière aussi, réalise certains fantasmes d'autogestion qui traversent ce groupe, qui est assez, je dirais, concerné par ce genre d'axe philosophico-politique. L'autogestion, la capacité de créer des communautés autonomes, de créer des niches de production qui sortiraient du système marchand. Bon, ça, c'est des choses qui nous intéressent et dont, bah, finalement, on les exécute dans le cinéma. Pour arriver à la question, disons, à l'aspect de la question plus, j'allais dire, plus anecdotique, en tout cas, ce qui me concerne, non, une palme d'or ne permet pas forcément, ne vous ouvre pas, pour plein de raisons. D'abord, parce que ce film n'est pas de moi. Ce film ne m'a pas du tout constitué comme cinéaste, puisque je ne l'ai pas fait. Mais vous avez un scénario qui est quand même assez solide. Oui, d'accord. Enfin, bon, finalement, bon, j'ai co-écrit d'autres films depuis. Il y en a un qui sort demain, d'ailleurs, qui s'appelle Max et Lenny, et puis il y en a un autre qui sortira dans l'année. La position du scénariste dans le cinéma, elle est très problématique. Hein. C'est toujours un peu le dernier roue du carrosse. La cinquième roue, je crois que c'est ça l'expression. Hein. Mais peu importe. Donc non, ça ne m'a pas du tout, ce film-là, étant ce qu'il était, et dans sa production, et dans son mode de circulation, et surtout dans le mode de commentaire auquel il a donné lieu, ne m'a pas du tout constitué, ni comme réalisateur, ni même comme acteur, puisqu'il allait sans dire que tous les acteurs, finalement, jouant leur propre rôle, n'avaient absolument rien démontré en termes d'actorat, etc., etc. Donc ça ne se capitalise pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à le faire, n'ayant pas de surmoi de réalisateur. Et puis surtout, il faut bien distinguer aussi entre un certain cinéma qui bénéficie d'un certain nombre d'aides et puis un autre cinéma qui n'en aura jamais ou alors très très peu. Peut-être que le cinéma qui moi m'intéresse ne peut pas exactement passer dans les grilles du CNC, même si bon, ça m'est arrivé de participer à des projets qui avaient été aidés, donc je ne peux pas non plus être caricatural. Mais ça serait aussi le cas de Laurent Cantet. Oui, Laurent Cantet, est-ce que vraiment tout le monde est au courant dans cette salle qu'il a sorti un film en décembre? Ça n'a pas non plus, assis Laurent Cantet comme grand cinéaste, le film Entre les murs. Son film d'après, d'ailleurs, a été un échec, qui est tourné au Canada. Et puis le film qu'il a sorti en décembre a été un maxi-bide. Ça se passe à Cuba, c'est un film très beau, qui fait discuter des Cubains sur une espèce de bilan de la révolution, et du pouvoir cubain, bilan évidemment très très mitigé, très grinçant, très complexe, très ambivalent. C'est un très beau film qui a fait pratiquement, enfin, vraiment très peu d'entrées. Donc
Je crois que le problème, indépendamment de Bégodeau, qui est vraiment pas intéressant dans cette affaire, c'est tout un système qui fait qu'au bout du compte, ne sont aidés que certains cinémas, certaines catégories de films, ne sont visibles ou n'intéressent les relais médiatiques que certains films aussi. Succèdent entre les murs, au bout du compte, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas en parler. S'il s'agissait de parler de cinéma, je serais, mais alors, le premier à vouloir en parler. J'adore parler de cinéma. A fortiori, des choses dans lesquelles j'ai été partie prenante. Le problème, donc je me suis rendu compte très très vite au moment de la sortie de ce film, c'est qu'il était question de tout à propos de ce film, sauf de cinéma. Et pourtant c'était bien un film, je peux témoigner, il y avait un tournage, une équipe, il y avait même un scénario, il y avait des dialogues, c'est-à-dire qu'on avait fait ce qu'on appelle un peu un film en fait. Or ce film évidemment a donné lieu à des commentaires très 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 extra-cinématographiques, un peu toujours les mêmes, un peu toujours aussi tendus et nerveux et hystériques. C'est à ce titre-là que j'aime pas beaucoup me remettre dans cette discussion-là. Est-ce que les raisons que vous évoquez permettent d'expliquer pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à l'Académie des Césars pour récupérer le prix de la meilleure adaptation, ou sont-ce les 40 minutes de RER qui vous ont démotivé? Oui, j'étais pas à la cérémonie des Césars, c'est ça que vous me dites. Hein. Ouais, oui, c'est une question un tout petit peu comme ça, médiatico-médiatique, ça, mais bon, je veux bien y répondre parce que je suis beau joueur. Les prix m'intéressent pas beaucoup, figurez-vous. Je veux dire, les Césars, moi je comprends pas les gens qui, quand ils ont un César, sont tout contents, parce que je veux dire, moi j'ai passé ça c'est mon côté de culture alternative fondamentale, quoi. C'est-à-dire que dès que je vois des paillettes et une espèce de grande cérémonie avec des belles robes et des gens qui s'applaudissent les uns les autres, on a vraiment l'impression d'un entre-soi aristocratique proche de ce qui devait se passer en 1788. Moi, immédiatement, devant ma télé, je pouffe. Enfin, j'ai passé ma jeunesse et encore maintenant à pouffer devant les Césars. Alors, de deux choses l'une, soit on pouffe pendant 20 ans, puis une fois qu'on est soi-même légitimé et célébré et invité à festoyer dans l'entre-soi, on renie tous les ricanements anarchisants qu'on a adressés à ce genre de cérémonie, soit on a quand même un tout petit peu de constance de tempérament, ce qui est mon cas, et on n'y va pas, quoi. On va pas se faire chier au César, je veux dire. On se fait chier déjà à les regarder devant sa télé, et pourtant on a des pizzas, on peut zapper et on peut aller pisser. Alors moi, assister à la cérémonie sans pouvoir manger de pizza, boire de la bière, pisser et zapper, non, ça c'était pas possible. Et Scarlett Johansson, vous convainc pas, le petit sketch de Ferdinand. Je sais que Scarlett Johansson a beaucoup regretté que je ne sois pas là. Et elle m'a envoyé quelques mots par la suite, mais enfin ça, je sais pas si je peux dévoyer ce secret-là. Des mots qui étaient assez élogieux, enfin je veux dire assez sur mon physique, hein, essentiellement. Je ne connaissais pas mon travail. Donc non, évidemment que je ne vais pas au César, et puis si plus de gens pouvaient faire la même chose, on aurait peut-être fini avec ce cirque. Très bien. Peut-être revenir un petit peu sur le collectif Auton et son côté, ce côté autogestionnaire qui vous plaît tant. Vous dites sur le collectif Auton, personne ne le connaît, il est le seul à pouvoir parler de lui puisque personne n'en a entendu parler. Y a-t-il tout de même un espoir pour que le collectif Auton réalise des films grand public ou non? Moi, je considère qu'on fait des films qui pourraient plaire à beaucoup de gens. Écoutez, j'invite les gens qui sont ici ce soir d'aller sur mon site demain, begodeau.info. Il y a un petit film qui est en ligne, qui fait 10 minutes et qui s'appelle Teaser, qui est une espèce de simulation de jury d'accès au collectif Auton, une espèce d'humour en mise en abîme. Bon, ben, j'ai pas l'impression que notre humour soit si clivant. Je crois que ceux qui ont vu ce film le trouvent plutôt marrant. Je crois qu'il est pas mal. D'ailleurs, oui, ce qui sort aussi un petit peu du côté social et politique. Je pense qu'on a surtout une veine comique dans le collectif Auton. C'est surtout ça qui nous unit. Je crois qu'on a fait des choses qui sont tout à fait regardables par tout le monde. Encore faudrait-il y avoir accès. C'est pareil, j'invite chacun à regarder demain sur mon site aussi. J'ai fini par le mettre en ligne. Un film qu'on a fait donc à Montreuil, au moment du moment Voynet de Montreuil. On a parlé de la démocratie participative. Bon, bah, c'est un film qui est voilà, accessible à tout le monde. Et puis à chacun de vous d'y trouver ou non de l'intérêt. Mais sur la page justement de votre film Montreuil, vous signalez avant la vidéo... que ceux qui que les journalistes soient prévenus, il dure 1h42 et c'est pas non plus ultra folichon, il y a seulement 2 minutes. Dans mon souvenir, c'est quelque chose comme ça. Donc oui. Vous annoncez quand même la couleur. Hein. Ah bien, mais je parle d'expérience, puisque je me suis bien rendu compte qu'en général, alors la pratique globale sur Internet est une pratique relativement comme ça rapide, hein, sur des petites pastilles rapides, il vaut mieux faire des vidéos de 2 minutes.
et qu'il est assez rare qu'un internaute passe 1h40 devant un documentaire, ça c'est vrai. Donc je ne suis pas dupe. Alors, il y a un cas qui est encore plus extrême, c'est finalement le cas du journaliste. Moi, je le vois souvent d'ailleurs quand je vais à la télé ou à la radio, plus sûrement à la radio, ou même dans ce genre de rencontre, et qu'on me présente sommairement au début, je vois très bien que les infos, elles ont été tirées d'un Google journalisme rapide, comme ça, des petits trucs qu'on a butinés, ce qu'ont fait nos deux camarades tout à l'heure, et de ce point de vue-là, ils sont ni plus ni moins compétents que les journalistes, et que c'est un peu toujours les mêmes, et qu'évidemment, il n'est jamais arrivé qu'on me présente dans une émission de radio sur le mode on a vu le film On est en démocratie, on a passé 1h40 devant, c'est un film très très intéressant, nous allons parler de participatif. On a plutôt butiné dans les petites blagues que je distille un peu sur ce site, les petits trucs un peu rapides, les petites bribes d'interviews ou de fausses interviews que je peux faire. Là-dessus, je ne suis vraiment pas dupe du fonctionnement général, hein, qui est un fonctionnement assez peu concentré, et qui rend difficile le fait de donner à voir des objets un peu plus longs et qui demandent un peu de concentration. Donc je préfère m'en amuser. Et évidemment, une telle annonce a une valeur un petit peu... Elle voudrait être contre-productive, elle voudrait produire l'inverse de ce qu'elle constate. Elle voudrait tomber sur le journaliste ou l'internaute qui, par défi et bravade, dirait « Mais non, moi je vais regarder pendant 1h40, on est en démocratie. » Mais à en juger par le nombre de commentaires que suscite le film dessous, je crois qu'en fait, ce film est très très peu vu, alors qu'il est gratuit. Mais ça engage des pratiques générales, culturelles, sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire. Alors, vous réfutez la hiérarchisation en art dans Dana Zèbre, chapitre Deleuze, et vous condamnez notamment ceux qui hissent Les Enfants du Paradis comme meilleur film français. Donc, vous n'avez pas de film favori, au pluriel? Non, je précise, je ne réfute pas la hiérarchie en art, puisque je considère au contraire, après Kant et après tant d'autres, qu'il n'y a pas de réception esthétique sans le sentiment immédiat d'une élection. C'est-à-dire qu'il est assez rare qu'une émotion esthétique ne s'accompagne pas mécaniquement d'une rhétorique superlative. C'est-à-dire, quand je vois un film qui me plaît, immédiatement me viennent des mots du genre « c'est le plus beau film que j'ai vu de cette année », etc. Donc, l'expérience esthétique elle-même est spontanément hiérarchisante. Donc, je le reconnais, je l'admets, j'ai absolument rien contre. En revanche, ce contre quoi j'essaie de travailler tranquillement, c'est de ne pas m'en laisser compter par les hiérarchies officielles. C'est tout. C'est-à-dire que quand on arrive dans le champ de l'art, ben vous avez tout de suite un certain nombre de hiérarchies officielles qui vous sont prescrites, enfin en tout cas indiquées, à l'école ou ailleurs, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je veux dire, il n'y a pas non plus à s'en offusquer plus que ça. Donc il est entendu que tel cinéaste est beaucoup plus intéressant que tel autre, que des comédies un peu bas de gamme sont beaucoup moins légitimes et intéressantes que tel film d'Orson Welles ou tel film de Jean Renoir ou tel film d'Alfred Hitchcock. C'est entendu. Et ben, je crois qu'après le boulot démocratique du citoyen qui fréquente les choses de l'esthétique, ben, c'est de confronter ces hiérarchies officielles à sa propre subjectivité. Pour soit les valider, soit dire qu'effectivement Jean Renoir est un grand cinéaste, ce que je crois, soit avoir parfois l'insoumission ou l'insolence démocratique de dire désolé, il semblerait entendu que tel écrivain est un des plus grands du siècle, moi je suis désolé, ça me tombe un peu des mains. Encore faudrait-il du coup l'argumenter, ce qui est un petit peu le propos de la critique, essayer d'avoir un discours argumenté sur les œuvres. Donc, non pas renverser toute forme de hiérarchie en art, encore une fois, puisqu'il n'y a pas d'expérience esthétique hors hiérarchie. En revanche, faire le travail en art qu'on ferait en politique aussi, c'est-à-dire ne jamais admettre, prendre pour argent comptant le donné, et les institutions et les choses qu'on nous présente comme gravées dans le marbre. Une petite nuance de fait par rapport à cette question. Est-ce que il y aurait un... Vous avez parlé de sentiment esthétique. Une autre forme de sentiment par rapport à l'art et la réception qu'on peut avoir d'une œuvre, c'est le sentiment qui consiste à dire « j'aurais aimé faire ça. Pourquoi c'est pas moi qui n'ai pas écrit ce scénario ?» C'est pas la même chose que simplement le goût. Est-ce que vous pourriez nous partager votre propre expérience, que ce sentiment vous est déjà arrivé, vous êtes déjà dit « j'échangerais bien le scénario d'Entre les murs pour le scénario d'Apocalypse Now Ah ben ça, si on commence comme ça, il y a des films que je vois parfois ou des livres que je lis dont je me dis que j'aurais volontiers aimé les écrire. Ça, bien sûr, j'aimerais être
Si je pouvais, non pas Apocalypse, non, mais pour prendre ce qui est comparable, Michael Cimino, quand il fait Voyage au bout de l'enfer, ça, oui, j'aimerais bien avoir écrit Madame Bovary. Je vous l'accorde. Tout à fait. En revanche, je n'ai pas de sentiment crispé par rapport à ça. J'entends parfois des artistes, mais je crois que c'est très largement complaisant, comme souvent quand les artistes parlent, qui disent « Ah là là, c'est très tétanisant d'écrire un livre après tous ces monstres qui ont écrit des chefs-d'œuvre. » Moi, cette tétanie, je n'ai jamais ressenti. Hein. J'ai toujours pensé que bon, bah, si j'avais envie d'écrire un livre, ma foi, j'allais essayer de le rendre le plus intéressant possible. Et puis ma foi que j'ai au-dessus d'une épaule, d'épaule gauche Flaubert, au-dessus d'épaule droite Racine, ne me crispait pas plus que ça. Là-dessus, je ne suis pas non plus dans un respect transi des anciens. Vous avez dit Kechiche est le plus grand cinéaste français vivant. Et il a annoncé l'année dernière son projet d'adapter votre roman La blessure navrée. Mais on trouve assez peu d'informations sur Internet et on est plutôt curieux. Du coup, ça se profile comment ? Est-ce que vous avez eu un droit de regard sur l'adaptation ? Est-ce que vous êtes satisfait de son appropriation ? J'ai rien à dire puisque je ne sais pas moi-même. Donc tout ce que je sais, on s'est rencontrés 2-3 fois avec Kechiche pour un peu sceller cette entente. Quand il m'a appris qu'il voulait adapter ce livre, j'étais évidemment ravi, considérant, alors peut-être pas qu'il est le plus grand cinéaste français, puisque là je pense que j'en mettrais 4 ou 5 comme ça. J'ai pas envie de trancher entre... Alain Guiraudy, Rabah Amerzemesh, dont j'ai vu le nouveau film ce matin, qui sort dans un mois, qui s'appelle L'histoire de Judas, et qui est, comme tout ce qu'il fait, un chef-d'œuvre, mais c'est un cinéma qui est assez peu vu, hélas. Voilà une économie tout à fait précaire, celle des films de Rabah Amerzemesh. Et pourtant, là, je vais vous dire qu'on tient vraiment un des plus grands cinéastes français de tous les temps, quoi. Superlatif. Non, donc oui, Kechiche, Guiraudy, Campillo, Rabah Amerzemesh, quelques autres comme ça. Mais Kechiche, oui, bien sûr. Quand j'ai vu j'ai vu la Vénus Noire, là, je me suis dit, j'avais aimé tout ce qu'il faisait avant. Hein. Mais alors, quand j'ai vu la Vénus Noire, qui a été d'ailleurs son film le moins vu et peut-être le moins apprécié, y compris des Kechichiens, là, je me suis dit que vraiment, j'étais contemporain d'un grand et que j'avais très très envie de l'accompagner, ne serait-ce que par un geste critique, ce que j'ai pu faire en écrivant sur la vie d'Adèle, par exemple, etc. Mais alors, sur la blessure navrée, j'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que je ne participe pas au scénario, puisqu'il ne me l'a pas demandé, et d'ailleurs, ça ne m'intéressait pas. Et si ce n'est que je crois qu'il tournera en Tunisie un livre qui, à la base, était très centré sur le sud Vendée, donc je crois qu'il va faire à peu près ce qu'il veut, et que je m'en réjouis. La dernière fois, il m'a dit « Est-ce que vous me donnez solennellement le droit de vous trahir ?» Je lui ai dit, je vous le donne solennellement, Abdel, à condition que vous fassiez un grand film. Il m'a dit, c'est parti. Voilà. Peut-être que vous pourriez nous dire plus précisément ce qui vous plaît dans le cinéma de Kechiche. Vous êtes critique de cinéma, vous voyez donc le lexique du cinéma assez précisément. Est-ce que ce sont les gros plans dont Kechiche se justifie sous prétexte qu'il permet de saisir l'être ? Pourriez-vous peut-être nous expliciter cette... rôle de formation, de citation, pardon. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma de Kechiche ? Je crois que Kechiche, il est comme tous les cinéastes, un certain nombre de cinéastes qui m'intéressent, c'est un faux naturaliste. Hein. Kechiche, on l'affilie, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, à ce qu'on appelle le naturalisme, c'est-à-dire il s'agirait de capter le réel, de le capter parfois de très très très, d'aller très très loin dans la captation matérielle des choses, y compris quand on pleure, on voit la morve, ce genre de choses, et puis avec un caractère social qui est souvent attaché au naturalisme, alors par exemple les skiffs, par exemple les banlieues, par exemple la graine et le mulet, qui rend compte de la situation des classes populaires, en fait, dans cette région-là, etc. Je crois que ça serait déjà très bien s'il était tout ça, et je pense qu'effectivement il est très fort sur le naturalisme, et je pense qu'il capte énormément de choses extrêmement justes, mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fou chez lui. Je crois qu'il y a quelque chose de dingue chez Kechiche. Je ne parle pas de la personne que je ne connais pas, en tout cas pas assez. Je crois qu'au fait, il fait un cinéma assez hallucinatoire. Il y a un baroque un peu dingo. Et donc ces gros plans, si vous voulez, si vous faites 3 gros plans de suite sur des visages, là vous dites, ouais, il essaie de capter les petits mouvements de visage qui sont le réel. Mais quand vous faites un film de 3 heures où il n'y a que des gros plans, alors là, on rentre dans une espèce de mécanique qui, à mon avis, est beaucoup plus abstraite, en fait. Quoi. C'est comme si le réel était débordé par son hystérisation. Alors c'est là que je trouve que c'est un cinéaste vraiment fascinant. Et notamment quand j'avais vu La Vénus Noire, qui est un film passionnant, grinçant. J'aime bien aussi chez Kechiche, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très brutal dans son cinéma. Je pense que La Vie d'Adèle, par exemple... Un film qui a été très mal commenté, à part par moi. Je dirais que je suis le meilleur commentateur du monde de ce film.
Non, il y a un truc qui est... C'est-à-dire que moi, je n'étais pas à Cannes quand il a été projeté, puis j'entendais depuis Cannes des bruits, et il y avait le côté un peu... C'est un film un peu sympa, quoi. C'est un film un peu sympa, parce que ça montre que, bon, bah, c'est deux filles qui s'aiment, et en fait, voilà, je veux dire, attends, on s'aime, et je t'emmerde, quoi, toi, bon... Et c'est tellement cool de s'aimer, et j'ai la sexualité que je veux, et voilà. Moi, évidemment, je ne vais pas aller contre, en tant que libertaire hédoniste, ce genre de propos, mais simplement, ce n'est pas des propos qui me passionnent esthétiquement. Et je trouvais qu'il y avait un truc un peu... J'avais l'impression qu'il avait fait un film, ouais, un film cool, quoi, un film gentil, qui était à mettre au compte sur la grande sympatocherie qui peut régner dans le champ culturel, sur des films un peu moraux, comme ça, qui nous montrent que je veux dire, je peux vivre ma sexualité comme je veux, je suis arabe, et alors... Enfin, tous ces films sympas, quoi. Bon, moi, je pense pas que l'art, ce soit sympa. Et j'aime bien quand l'art va dans des zones plus grinçantes et plus problématiques. Et je pense que Adèle est un film violent, extrêmement violent. Je dirais même qu'il est extrêmement discutable dans ses attendus, qui sont des attendus extrêmement brutaux politiquement. Parce que je crois que c'est pas du tout un film sur l'homosexualité, même si effectivement il y fait droit, et de ce point de vue-là il est irréprochable, c'est vraiment un film sur la lutte des classes. Et c'est une lutte des classes qui est poussée jusqu'à un point qui, moi, m'intéresse, un point vitaliste. C'est-à-dire que Kechiche ne se contente pas dans ce film de dire, ou de montrer, ou de suggérer, ou d'agencer le fait que, bah, au bout du compte, cette bourgeoise ira vers une maîtresse ou une compagne qui lui est plus homogène socialement et qui lui permettra d'accomplir son destin d'artiste, là où cette petite institutrice ne lui sert à rien socialement. Ça, c'est un petit peu le discours, je dirais, de lutte des classes de base que produit le film, qui est déjà un discours violent. Je crois que ça va plus loin. C'est-à-dire que je crois que si on prend à la lettre un certain nombre de scènes du film... Le film dit carrément que la bourgeoisie est incapable d'amour. Et pourquoi elle est incapable d'amour? Parce qu'elle est dévitalisée. Parce que la vie est du côté des prolos. Alors ça, écoutez, je ne suis pas sûr de le penser. Je ne suis pas sûr de le penser, mais j'affirme que c'est dans le film. J'ai même passé 4 pages à essayer de l'expliquer dans Transfuge. Scène à l'appui. Et j'aime bien cette thèse. Je ne la partage pas, je pense qu'elle va loin, mais j'aime bien cette thèse, et qui est tout sauf une thèse, un peu comme ça, consensuelle. Et je crois qu'il y a quelque chose de gênant dans les films de Kechiche, et j'aime bien que l'art soit gênant. Voilà une petite phrase qui, dans les années 30, aurait certainement fait rire plus d'un, un peu, je sais pas, un peu fascisante. Non, vous savez, il y a une grande tradition de communistes, et à l'extrême gauche, et dans la pensée radicale de gauche, de dire que la classe dominante n'est pas simplement répréhensible en tant que dominante. Elle domine, donc à ce titre-là... Le vitaliste, vous voyez. Oui, il y a quelque chose de vitaliste, mais il y a pas le vitalisme n'est pas forcément de droite. Hein. Vous savez, il y a des grands Nietzschéens de gauche. Donc, et moi, en tant que vitaliste de gauche, je proteste. Il y a ce truc-là à travers. Alors, encore une fois, c'est une idée qui est très, très... malaisante. Mais c'est bien pour ça que je pense que l'art peut y faire droit. Ça serait plus compliqué d'écrire un texte demain en expliquant que la bourgeoisie est dévitalisée et qu'à ce titre-là, elle est incapable d'amour. Ça, je pense que c'est le genre de texte que je n'écrirais pas. Mais je pense que l'art peut être le lieu de formulation d'un certain nombre d'hypothèses discutables. Ça fait Nietzsche. Mais oui. Merci de cette validation. On passe à deux questions, complètement différentes. Vous maniez en permanence l'autodérision et l'humour au troisième degré, que ce soit dans vos vidéos ou dans vos ouvrages littéraires, à tel point qu'on en est parfois complètement perturbé, on ne sait plus où est la part de sérieux dans vos propos. Du coup, on se demandait si l'humour, c'était un rempart pour vous. Non, l'humour est... Moi, j'ai pas de... Bon, d'abord, je ferai quand même une grande différence entre les petites vidéos que je produis sur mon site comme ça pour m'amuser ou qui effectivement se plaisent à noyer le poisson, à brouiller les cartes. J'aime bien brouiller les cartes. À partir du moment où je considère que les cartes qu'on écrit à ma place ne me plaisent pas, les étiquettes qu'on me prête ne me plaisent pas, et ben j'essaie de les troubler. Notamment dans Marin que dans Danazèvre, pour le coup, ça passe. Il peut y avoir des moments super sérieux, puis d'un seul coup, on comprend. Enfin, il y a une blague ou des références qui détruisent totalement ce qui a précédé. Enfin, pas qui détruisent, mais qui y a une rupture de ton, et du coup, on ne sait plus si ce qui était avant, si c'était sérieux ou pas. Enfin, c'est un petit peu déroutant. Oui, j'espère bien que c'est déroutant. Je venais de faire l'apologie de Kechiche, parce que justement, je trouve qu'il va dans des lieux qui sont non répertoriés, non enregistrés.
très drôle ce dessin, c'est formidable, rouge communiste, enfin, ça va vite, hein. On sent qu'il y a, il y a du génie là, il y a du... c'est vous ? On se voit après, je vous engage. Non, oui, mon pari, c'est que c'est, j'aime bien qu'un livre fasse droit à tout un tas de registres et que je n'aime pas beaucoup le sérieux plombant. Surtout dans le cadre d'Anazeb, c'était un livre, un abécédaire qui m'avait été commandé et tout était fait pour que je multiplie les lettres où j'expliquerai un petit peu la vie aux gens, quoi, vous voyez, où je pontifierai un peu qu'est-ce que je pense de tel ou tel aspect, voilà. Moi, c'est une posture, je dirais, que j'appelle une posture d'essayiste, que j'aime pas beaucoup. Moi, je me considère pas du tout comme un délivreur d'opinion, et je me vis pas comme le philosophe qui expliquera la vie aux gens. Donc, c'est vrai que dès que je sentais que le livre était en train, dès que j'avais quand même créé comme ça un raisonnement, que j'ai essayé de faire consister, et d'être relativement intéressant, intense, ça me donnait tout de suite envie de créer des petites virgules comme ça, un peu plus comiques, ou des petites brèches dans la solennité qui était en train de s'installer. Mon pari littéraire étant, dans ce livre-là notamment, mais dans d'autres aussi, que les deux peuvent se tenir ensemble, quoi, et que non, des petites trouées fantaisistes dans un livre n'annulent pas, j'espère, les trois ou quatre pages qui précèdent, qui pour le coup, elles, sont un peu plus sérieuses, s'il faut prononcer le mot. Sachant qu'au bout du compte, pour moi, l'horizon absolu de l'écriture, et qui serait celui de mes écrivains préférés, c'est celui où on ne distingue plus justement entre le sérieux et le non-sérieux. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement humoristique dans la littérature, vraiment. Et ça, je pense qu'il y a toujours un petit tapis d'ironie dans tous les grands auteurs. Il y a ça chez Kafka, il y a ça chez Flaubert. C'est comme si vous aviez une nappe ininterrompue d'ironie sur laquelle se déploie le texte. Alors ça, effectivement, je pense que ça, c'est un horizon d'écriture qui m'intéresse beaucoup. Justement, quittons la partie cinéma pour la partie littérature. Bon, remarquez, vous avez fait la transition. Jusqu'ici, on a même finalement pas mal parlé de littérature, à droite, à gauche. C'est le moment d'en parler à 100%. Alors, première question d'abord, un peu générale, sur les transformations actuelles de la littérature, sur votre regard de ce qu'on fait de littéraire aujourd'hui, que le champ littéraire produit aujourd'hui. Ni plus ni moins, je dirais. C'est-à-dire qu'il est, je crois que la pensée est un peu trop souvent adossée à ce que j'appellerais la diachronie, c'est-à-dire de tout de suite articuler un discours, une observation d'un champ, par exemple, à des considérations temporelles dont on sait bien quelle va en être la conclusion presque systématique, à savoir que c'était mieux avant. Ou en tout cas, oui, mais tu comprends quand même, à une époque, il y avait plus de grands écrivains, et puis maintenant ceci. Bon, alors moi j'en sais rien. Je ne sais pas si la production littéraire des années 30, 40, 50 était supérieure à celle des années 2010. Ce que je sais, pour le pratiquer, c'est que, en tout cas pour ce qui me concerne, et j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, j'ai très largement, moi en tant que lecteur, en tant qu'aimant lire inconditionnellement et de plus en plus d'ailleurs, j'ai très largement de quoi manger dans mon année. Et pourtant je mange beaucoup de livres, et eh bien je ne suis pas du tout en pénurie, il n'y a pas de disette. Et en plus j'ai tendance à m'en tenir un peu au champ français depuis quelques années, à la fois parce que j'ai l'impression que ça fait un peu partie du boulot d'un écrivain de langue française de lire un peu ses semblables, de se situer par rapport à un champ, et aussi parce que je tiens une chronique dans Transfuge qui est centrée sur la littérature française, donc tout ça finit par créer vraiment des habitudes, donc je crois que je peux témoigner du fait que quiconque s'inquiéterait du fait que la littérature française ne produit pas de choses intéressantes ne devrait pas s'inquiéter. Ça, franchement, j'ai des noms à lui recommander, il y a de quoi faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, autre chose serait de parler de ce qui est le plus visible. Ça serait un autre débat. Il est évident que parmi les auteurs que j'aime beaucoup qui écrivent actuellement, la grande majorité d'entre eux ne sont pas très visibles, sont peu vendeurs. Mais j'espère qu'il est entendu pour tout le monde que l'absence de succès n'est pas une garantie de médiocrité. De la même façon que le succès n'est pas une garantie de médiocrité non plus. Il y a des très bons livres qui se vendent, il y a des très mauvais livres qui se vendent, il y a des très mauvais livres qui ne se vendent pas, et il y a des très bons livres qui ne se vendent pas. Voilà. Du Bégodeau peut-être. Comment ? Du Bégodeau peut-être. Oui, voilà, des très bons livres qui ne se vendent pas, c'est moi. Mais alors...
sans nécessairement tomber dans le travers qui consisterait à dire c'était mieux avant, d'un point de vue objectif, puisque vous lisez énormément vos contemporains, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une forme de désintérêt pour le style littéraire en soi? Ce qui ne veut pas dire que les livres sont moins bons. Prenez Nirgo par exemple, il y a un parti pris qui est de refuser l'écriture en poulet, à la grague, etc. Et en revanche, on a des livres qui sont très puissants, très forts. Il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a un postulat qu'il faudrait vraiment discuter, à savoir qu'à partir du moment où on refuse un certain style, je dirais voyant par exemple à la Grac, c'est très fort. Oui, il n'y aurait plus de style. Moi, je considère qu'Anne Hirmo, elle a un style. Elle a un style. Oui, tout à fait. Alors après, d'ailleurs, je ne suis pas complètement sûr d'être moi-même fan de ce style. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pourrais vous démontrer qu'il y a un style. C'est pas parce qu'il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas comme ça de grandes arabesques, je dirais, stylistiques, qu'il n'y a pas de style. Alors là, c'est compliqué. Alors après, évidemment, comment distinguer quelque chose qui n'a pas l'air d'être du style et qui en est, de quelque chose qui n'a pas l'air d'être du style et qui n'en est pas de fait? Parce que de fait, il y a des livres qui sont absolument dénués de style, quoi. Alors, le problème, encore une fois, c'est pour ça que j'ai précédé un peu votre question en parlant de visibilité. Et la question, c'est la visibilité. Moi, je peux vous citer énormément de très bons stylistes contemporains, de gens qui continuent vraiment à travailler sur la forme. Il est vrai que les livres qui sont les plus en vue ont cette, pour la plupart, ce trait commun d'avoir assez peu d'ambition stylistique. Et en tout cas, de produire des formes qui ne sont pas déconstructrices. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas un travail pour tordre les formes existantes académiques. Ce dont s'est toujours prévalu Houellebecq. Houellebecq a toujours dit, la forme c'est fini, moi je m'en fous de tout ça, le nouveau roman, bullshit. Revenons à une écriture un peu balzacienne, disait-il, mais je crois que son écriture est encore plus plate que celle de Balzac, enfin en tout cas si je reprends ses canons à lui. Alors, moi je crois qu'il y a un style de Houellebecq d'ailleurs, fondamentalement, et c'est même ce que je préfère chez lui, beaucoup plus qu'un certain nombre d'aspects de son œuvre. Sauf le dernier qui est vraiment très paresseux stylistiquement, là, il n'y a vraiment plus rien du tout, là, il a complètement renoncé à écrire, mais c'est pas grave, il fait autre chose maintenant, donc on voit bien que l'écriture ne l'intéresse plus. Mais en revanche, dans ses livres précédents, il y a un style Houellebecq, hein, qui est une espèce de placidité comme ça à plat, qui moi m'intéresse beaucoup, hein, vraiment, c'est ce que je préfère chez lui, y compris d'ailleurs une espèce de comique à plat. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien dans un Houellebecq de, comment dire, qui propose une forme un peu tordue, qui pourrait heurter la sensibilité majoritaire qui a tendance à aller vers des formes académiques ou des formes qui ne dérangent pas. Ça serait vrai au cinéma aussi. Ce qui clive fondamentalement, ça n'est jamais le contenu, ça n'est jamais la thématique, ça n'est jamais la coloration politique d'un livre ou d'un film, c'est sa forme. C'est bien pour ça que Godard ne fait pas zéro entrée depuis 40 ans ou 125 dont moi, parce qu'il a été d'extrême gauche ou qu'il est toujours radical, etc. C'est parce qu'il produit une forme qui est extrêmement déconstructrice, que moi je trouve passionnante depuis le début, mais qui évidemment change un peu les habitudes standards. Alors c'est vrai qu'Houellebecq, pas du tout, mais c'est une des raisons pour lesquelles il est énormément lu. Il y a d'autres raisons aussi. Carrère aussi, pour prendre un écrivain que j'aime beaucoup, notamment son dernier. Mais c'est vrai qu'il s'est aussi toujours lui prévalu d'une forme qui ne soit pas, qui n'ait aucune ambition comme ça, comme Picasso a eu l'ambition de déconstruire la représentation en faisant le cubisme, comme effectivement James Joyce a l'ambition de déconstruire un certain nombre de formes en écrivant Ulysse. Voilà, l'histoire de l'art est traversée par des coups de force comme formels comme ça. Là, nous avons affaire à des écrivains que ça n'intéresse pas du tout. Ce qui pour moi les limite quand même en dernière instance. Hein. Je viens de dire que j'aimais bien Carrère, mais quand même, il y a un moment où son dénigrement de toute hypothèse de torsion formelle, pour moi, en fait un écrivain, j'allais dire incomplet, parce que pour moi, ça fait un peu partie quand même du contrat littéraire que de proposer de la forme. Hein. Sinon, pourquoi appeler ça littérature ? Vous venez de dire que vous mangez beaucoup de livres, et on mais a complètement, remarqué... je veux dire, je les mange, quoi, enfin, dans une assiette, quoi, c'est ça que oui, je... évidemment. Et aussi, on l'a bien compris, parce qu'il y a énormément de références littéraires dans vos ouvrages. Par exemple, vous permettez de reprendre plusieurs formules très connues, comme « Si le réel n'existe pas, tout est permis », qui est une déformation de « Si Dieu n'existe pas, tout est permis » de Dostoïevski, ou beaucoup d'autres. Et là, on se demande si c'est du plagiat ou si c'est uniquement pour flatter l'ego du lecteur qui se dit « Ah bah tiens, j'ai reconnu... » Vous pouvez... C'est quoi la phrase que vous venez de dire, là? Si le réel n'existe pas, tout est permis. Oui. Mais ça, c'est... D'autres encore,
comme Habiter la politique en poète, qui est une déformation de Habiter le monde en poète de Heidegger. Mais ça, si vous voulez, c'est un travail, c'est pas du tout du clin d'œil ou de la référence ou quelque chose pour frimer auprès du lecteur. Vous pensez bien que quand je tords un peu la phrase de Dostoïevski pour remplacer Dieu par réel, excusez-moi, mais c'est une opération conceptuelle qu'on a le droit de trouver inintéressante, hein, mais qui est consistante. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se dit là-dedans. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quelque chose se dit. Ah, si effectivement, quand vous lisez cette phrase, vous dites « Oui, Bégodeau, il faut que il se la pète un peu, ici cite Dostoïevski, en plus il le change », bah là, on est mal barré. C'est-à-dire que là, vous ne me prenez vraiment pas au sérieux. Quoi. Ça, vous avez complètement renoncé définitivement au fait que j'essaie quand même un tout petit peu de penser quand j'écris. Moi, je parie toujours sur, disons, le calme et la sérénité du lecteur. C'est-à-dire que s'il commence à me prêter ce genre d'attention, c'est vrai que... Et je crois que, contrairement à ce que vous dites, d'ailleurs, il y a très très peu de références littéraires dans mes livres. Parce que, je n'aime pas beaucoup laisser les gens en plan. Je n'aime pas beaucoup séparer mon lectorat, la petite communauté provisoire et ponctuelle de mes lecteurs, entre ceux qui sauraient et ceux qui ne sauraient pas. Je pense que, justement, je trouve que l'art peut se passer très facilement de ce genre de clivage qui assomme la société, hein, entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, entre les experts et les non-experts, les académiques et les non-académiques. J'ose espérer toujours que l'art soit une espèce de redistribution des choses, de réouverture des possibilités de circulation. Donc non, je fais très très peu de références. Alors, justement, une question importante, je n'ai pas trouvé dans votre bibliographie de texte dans lequel vous justifiez. Vous dites, voilà pourquoi j'écris, voilà ce que c'est que d'écrire, des réflexions sur l'acte d'écrire, comme on peut trouver chez d'autres écrivains. Alors voilà, c'est l'occasion de nous répondre, hein, sur cette question. Alors évidemment, vous n'avez pas tout lu. Je vous cache. Franchement, je ne peux pas vous en vouloir. Mais quand même, non, j'ai quand même produit beaucoup de discours sur cette affaire-là. Alors surtout dans la critique littéraire d'ailleurs, quand je fais de la critique littéraire des autres, bah, c'est toujours un peu l'occasion pour moi de redéfinir ce que c'est pour moi que le geste d'écriture. Alors pour la faire très très courte, je pourrais dire et beaucoup de choses là-dessus, mais je ne vais pas faire un résumé de tout ce que j'ai pu écrire là-dessus, ce qui serait vraiment gonflant pour tout le monde, y compris pour moi. En revanche, je peux dire un truc, c'est que j'insiste toujours, quand je parle de littérature, sur ce que la littérature produit, et j'essaie d'éviter un mode de discours qui, je crois, parasite énormément la réflexion sur la littérature, qui est ce que j'appellerais le discours causaliste. C'est-à-dire qu'on s'interroge toujours, ou nous-mêmes, les écrivains, on est très interrogés sur comment se fait-il que vous écriviez ? Pourquoi vous écrivez ? Question un peu bateau, à laquelle personne n'a de réponse, si ce n'est des réponses complaisantes. J'écris pour ne pas mourir, j'écris pour ne pas souffrir. Ça, je me suis beaucoup quand même foutu de la gueule de ce genre d'énoncés. Parce que c'est des énoncés qui sont spéculatifs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on écrit, et puis je ne pense pas qu'il y ait de réponse extrêmement claire à cette affaire-là. Alors c'est pour ça qu'en tant que... j'aime bien dire des choses très simplement. Si j'écris, c'est d'abord parce que ça me fait plaisir. Hein, c'est-à-dire que j'y prends du plaisir. Ou plus subtilement, parce que écrire, passer le plus clair de mon temps à écrire, est le meilleur arrangement que j'ai trouvé avec le temps, avec ma situation d'existant. C'est là que je me conviens le mieux, pour prendre des termes spinozistes. Je me conviens bien en écrivant. Je me sens un peu chez moi et je sens que je me réalise quand j'écris. Indépendamment d'ailleurs de la qualité de ce que je fais. On peut trouver tout à fait médiocre ce que je fais, ça n'empêchera pas que moi, quand j'écris, j'ai l'impression que mon corps se convient. Mon corps a trouvé son mieux. Voilà la raison pour laquelle j'écris. Mais ça, c'est dans l'exercice même de l'écrit. Donc je préfère m'épargner des spéculations sur j'écris parce que je suis angoissé, j'écris parce que le temps passe, j'écris parce que ma maman m'a pas assez parlé, j'écris parce que je suis fâché avec mon frère depuis 25 ans. Je préfère éviter cette psychologisation, non pas que je considère qu'il n'y ait pas de soubassement affectif et psychologique à une activité comme écrire, mais encore une fois parce que c'est spéculatif. Et tout ce qui est spéculatif, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté, je dirais, intellectuelle de le suspendre. De dire, bah, puisque ce n'est que de la spéculation, je préfère la fermer. On a compris que la musique aussi vous tenait beaucoup à cœur. Du coup, on a prévu un petit moment musical
On va vous passer 4 morceaux et on va vous tester, voir si vous êtes si grand fan de rock que ça. Je dis le titre. Oui, allez-y. London Calling Clash, 79. Je peux vous donner l'année aussi à chaque fois parce que ça frite pas mal. Du coup, un deuxième morceau. C'est pas ma. C'est Street Fighting Match, Stone 68. Bah, vous avez c'est des classiques, ça. Voilà, on a fait la facilité. Mais attendez là. C'est pas de mon niveau, quoi. Attention à vous. Bah, voilà. Ça commence comme du métal, donc moi j'aime pas le métal, donc ça pourrait être du Metallica, oui. Mais moi je suis pas du tout métal, bon, attention, un punk métal, rien à voir. Bien sûr, je vais être méchant là. Allez-y. Est-ce que vous pourriez nous... Pourquoi pas le métal? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le son trop fort qui vous gêne, ou alors la technicité un peu extrême des solos, qu'est-ce qui vous rebute? C'est sûr pas le son trop fort, parce que finalement en termes de son trop fort, le punk est tout à fait au même niveau, mais le punk est beaucoup plus gambadant, joyeux, allègre, il joue sur des beaucoup moins de lourdeur dans l'appui des accords, il y a quelque chose de fondamentalement rythmé dans le punk. Qu'il y a beaucoup moins dans le métal, et puis il n'y a qu'à voir les corps. Regardez des corps punk rock au travail, sur scène, par exemple les Clash, par exemple les Stooges, par exemple NoFX, et puis regardez les corps de métalleux au travail sur une scène, c'est pas les mêmes. J'ai déjà vu les guitaristes et les chanteurs de Metallica faire des concerts habillés comme nous. Ah, non, mais c'est pas une question de vêtements, hein. Non. Les corps, je veux dire, d'attitude, de... C'est postural. De transpiration. La façon dont les corps incarnent la musique qu'ils sont en train de produire, parce que c'est souvent ça, hein. C'est comme quand on danse, on incarne la musique qu'on est en train d'écouter, bah, vous incarnez aussi sur scène la musique que vous êtes en train de produire, vous lui donnez un corps, quoi. Et c'est comme ça, d'ailleurs, ça permet de bien trouver l'identité profonde d'une musique, c'est de voir quel corps elle produit. Eh ben, les corps produits par le punk rock quand ils en écoutent ou quand ils en produisent, ben, c'est pas les mêmes corps que les métallos, et c'est vrai que le corps punk rock m'érotise beaucoup plus que le corps métalleux. Voilà. Petit dernier extrait pour terminer. Ouais, ça c'est Pink Floyd, Money, 73, mais on a l'impression en lisant, je crois que c'est dans Deux Singes, Vie politique, on a l'impression en lisant votre ouvrage que ce côté un peu art qu'on voulait donner Pink Floyd, au début on voulait vous passer Yes. Hein. Donc je sais pas si vous voyez, donc là. On a failli passer une sale soirée, quoi. Vous auriez passé, vous seriez sorti au plafond. Pourquoi pas Genesis, quoi, pendant qu'on y est, quoi. Parce que vraiment. Bon, qu'est-ce qui vous rebute dans ce qu'on appelle pompeusement le rock progressif, rock symphonique, l'art rock? Non, ça ne me rebute pas, et d'ailleurs j'adore Pink Floyd, donc c'est peut-être le groupe que je sauve de ce moment-là du rock, enfin en tout cas de la pop-musique, non, j'adore, alors Atom of Mother, peut-être cet album un peu moins, mais alors les albums entre 67 et 75, alors, hein, je les réécoute d'ailleurs assez souvent. Non, je crois qu'il y a un truc plus dialectique dans quand on s'en prend au rock progressif de ces années-là, c'est... Et les punks ont beaucoup réagi à ça en arrivant en 76 et 77, c'était que le rock se perdait de vue. C'est-à-dire que le rock était puissant là où il n'essayait pas du tout de copier, je dirais, le raffinement de composition symphonique de la musique classique, où il était puissant en tant qu'il était lui-même, c'est-à-dire bref, simple, élémentaire. Et là, d'un seul coup, bah, évidemment, dans une espèce de boursouflure générale, le rock oubliait sa puissance propre, qui était justement de s'en tenir au minimal, et qui est pour moi une puissance équivalente à celle du classique, mais qui joue sur complètement autre chose. Et il voulait imiter le classique. Il voulait de nouveau se donner de nouveau des gages comme ça, de technicité, de raffinement de composition, comme s'il avait un peu honte de lui-même, comme si, après la cour de récré du rock, les adultes reprenaient un peu le dessus et disent non, mais maintenant on va faire de la vraie musique, hein, on va mettre des grandes compositions, on va faire revenir des cuivres, comme les Pink Floyd font dans Atom of Mother, d'ailleurs la face A, mais qui est magnifique, hein, que je mets presque aussi haut que du Schubert, hein, enfin, oui, c'est... Mais non, mon amour du rock passe pas par là, quoi. J'ai toujours vu un reniement là-dedans et une façon de dire au rock, bon, c'est bien sympa ton petit truc, bonhomme, mais enfin, c'est quand même un peu simplet. Moi qui considère que le rock est un événement esthétique majeur, je peux pas... C'est des gens qui sont politiquement des ennemis, vous voyez, les Pink Floyd. Mais c'est esthétiquement des gens que j'aime beaucoup écouter. Vous savez que Pink Floyd a réalisé la bande originale de Zabriskie Point, le film.
Oui, mais enfin, ça, c'est un hasard. Nous, on s'est appelé comme ça pour plein de raisons. C'est une espèce de connerie qu'on a faite quand on était jeune et bête. Très bien. Alors, venons-en à d'autres conneries. La politique, ici, ça vous... En général, les punks sont un peu plus beaux. Hein. J'aime bien, c'est pas mal. Après, je ne savais pas que c'était les Indiens qui jouaient du métal, mais... C'est un scoop. Donc, pour terminer notre interview, un moment plutôt... Un peu de politique. Un peu de politique, voilà. Reprenons à nouveau deux singes de vie politique. Et précédemment, cette expression de vie politique, est-ce que vous pourriez nous l'expliciter? Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie politique? J'ai joué un peu dans le titre sur une acception courante de vie politique, c'est-à-dire la vie politique française, à savoir en ce moment Manuel Valls, blabla. Il y a les politiciens, ils ont une vie politique, hein, on peut dire que leur vie politique, ils sont entrés à l'UMP, ils en sont ressortis, etc., etc. Moi, je voulais jouer sur... je voulais jouer sur ça pour renverser complètement le terme, c'est-à-dire c'est une option, si vous voulez, matérialiste. C'est-à-dire que j'essaie de raconter dans ce livre l'histoire de mes idées à moi, c'est-à-dire comment j'ai évolué en idée, je pensais ci à ce moment-là, puis j'ai pensé ça, etc. Et en permanence, je cultive le postulat matérialiste que les idées ne sont jamais que des projections du corps. Et que donc, il faut ramener la politique à la vie pour bien expliquer pourquoi on a pensé ça à tel moment. C'est pour ça que ce récit qui aurait pu être un essai, à savoir je pense ci, je pense ça, devient un récit à proprement parler, parce que je raconte ma vie, je raconte la vie de mon corps, et comment elle s'est projetée en permanence dans des idées politiques ou dans des options philosophiques ou des choses comme ça. Et j'ai essayé de faire droit à tout, la petite popote corporelle, sanguine, métabolique, sociologique, éducative, qui fait qu'au bout du compte, il y a une concrétion qui s'appelle une idée. C'est ce pari-là que j'ai essayé de tenir pendant 400 pages. J'ai essayé de voir comment les affaires de l'esprit sont toujours des affaires du corps. Et précisément, maintenant que vous le dites, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est-à-dire que dans De singes, mais politique, il y a effectivement une sorte d'ironie latente qui... d'autodérision presque, qui effectivement tapisse l'ensemble de l'ouvrage. On vous sent un peu, enfin, plutôt tendre à l'égard de ce jeune gauchiste, et beaucoup de clichés, si vous voulez, du jeune engagé gauchiste reviennent. Est-ce que vous pouvez nous en parler, effectivement? Est-ce que vous assumez ces clichés? Est-ce qu'effectivement il s'agit bien d'ironie bienveillante? Oui, ouais, une ironie bienveillante, une douce ironie, mais je crois qu'encore une fois, la douce ironie est peut-être la modalité littéraire de base. Je crois que tous les grands livres, je ne dis pas que celui-là en soi, sont dans une forme de douce ironie. Je crois beaucoup moins, par exemple, à l'ironie, alors poète-poète, quoi, l'ironie au vitriol, qui serait en gros le pamphlet. Alors ça, je pense que ça, c'est de la sous-littérature. Ça, c'est un dévoiement de la littérature. La douce ironie m'intéresse, surtout quand elle est projetée contre soi, ce qui me paraît la moindre des choses quand on écrit, qu'on est toujours un peu le souverain, on est un peu le maître à bord, on est un peu le monarque de son livre quand on écrit. Et moi qui suis démocrate, j'essaie toujours de me destituer un peu, j'essaie toujours de m'opposer à moi-même des contre-pouvoirs. L'ironie viendrait de là. Donc oui, je raconte un peu ma vie, et je raconte comment je suis venu, j'ai été pris, happé par des idées radicales de gauche quand j'étais jeune, et je raconte comment. Et je me moque un peu de moi-même, puisqu'évidemment, le récit que je me faisais à l'époque était un récit très largement auto-fantasmatique. C'est-à-dire que quand vous adhérez au communisme quand vous avez 14 ans, vous vivez un peu comme Robin des Bois. C'est-à-dire qu'en gros, je suis communiste tout simplement parce que je suis un mec bien. Je suis communiste tout simplement parce que, contrairement à tous ces égoïstes, moi je suis un mec qui pense à tous les veuves, toutes les veuves et tous les orphelins du monde. Alors c'est ça que j'ironise, parce que je ne crois pas à la morale 20 ans plus tard. Je ne crois pas qu'on devient communiste parce qu'on est simplement le mec le plus chouette du monde. Je crois que ça passe par tout un tas d'autres choses plus relatives, plus complexes, plus ambiguës, plus déterminées, plus conditionnées par un papa, par une maman, par une sœur, par des copains, par un environnement, par tout un éthos de gauche, hein, un éthos, un habitus, aurait dit Bourdieu. C'est ça que j'essaie de décrire. Et évidemment, c'est un récit moins plaisant que celui de dire simplement, voilà, un jour j'étais au sommet de la montagne tel Jésus, et je me suis rendu compte que le monde souffrait, et je me suis découvert une vocation à soulager les miséreux de leur souffrance. Ça c'est le récit sympa. Eh ben non, je vais évidemment pas raconter ça. Et quand bien même si je le pensais, je l'aurais pas raconté, parce que ça aurait été trop auto-glorifiant. Donc j'ai plutôt tendance à ironiser là-dessus,
Ce qui ne veut pas dire jeter avec, je ne jette pas le bébé des idées avec l'eau de leur conditionnement. C'est-à-dire que le communisme continue à m'intéresser. Simplement, il faut juste que le communiste ne se la raconte pas à lui-même, quoi. Ne se fasse pas croire qu'il n'est pas ce qu'il est, ou inversement. Vous avez un peu répondu à nos questions, dernière question. Il y en a une ultime, puis ensuite nous donnerons la parole au public, donc spectateurs, préparez vos questions. Ce soir, vous faites face à une jeunesse vraiment différente de la vôtre, des étudiants d'école de commerce. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Là, ils sont devant vous, vous pouvez les regarder dans les yeux, vous pouvez en profiter. Bon, d'abord, j'ai pas vocation à leur dire quoi que ce soit. Ils n'ont pas de leçons à recevoir de moi. Et quand bien même j'aurais le tempérament que je n'ai pas à donner des leçons, je ne crois pas que quiconque puisse convaincre quiconque. Je pense que, puisque les idées sont l'émanation du tempérament, et que fondamentalement, on ne change jamais de tempérament, ma foi, si on a un tempérament libéral, le tempérament anarchiste qui est le mien aura très très peu de pouvoir de conviction auprès du tempérament libéral, si jamais il y a un tempérament libéral. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Moi, ce que j'essaie de faire valoir quand je parle politiquement, publiquement, je le fais pas souvent, parce que je considère que c'est pas mon travail, quoi. Mais bon, je veux bien le faire. Moi, j'essaie pas de convaincre les autres, j'essaie pas de prouver à d'autres que moi qu'il faut penser comme moi. Simplement, j'essaie de faire valoir un mode de pensée que je trouve extrêmement minoritaire, très très peu audible, très très peu audible. C'est-à-dire que c'est quand même pas courant, si vous voulez. Moi qui écoute beaucoup de débats à la radio, à la télé, j'écoute beaucoup de gens parler. J'aime bien les émissions où ça parle. Et puis par ailleurs, je lis des livres où ça parle, où ça prodigue de la pensée. J'ai peu d'amis. Il y a très très peu de gens qui, quand je les entends parler, je me dis « je reconnais un pli qui est le mien, je reconnais un pli ». Je vois beaucoup de gens de droite parler, bon, bah, c'est pas exactement mon pli, je vois des gens d'extrême droite parler, de plus en plus, c'est pas exactement mon pli. Je vois les républicains de gauche parler, c'est pas mon pli. Je vois beaucoup de gauche, de néo-conservateurs de gauche exprimer, c'est pas mon pli. Je vois beaucoup de gauchistes psychorigides s'exprimer, ou ressentimentaux, c'est pas mon pli. J'ai peu d'amis, et je cherche des amis. C'est une de mes quêtes. Alors j'en trouve parfois. Je trouve des gens, j'entends un accent libertaire de temps en temps. J'entends de temps en temps quelqu'un parler avec, à la synthèse des deux choses qui m'ont toujours intéressé, le marxisme et la lignée anarchiste et libertaire. Il y en a peu, vraiment. Alors, au point que c'est un pli, je pense que les gens méconnaissent totalement. Il n'y a qu'à voir ce que les gens pensent quand on leur dit « Pour vous, c'est quoi l'anarchisme ?» Ils seraient incapables de citer un seul penseur anarchiste. Ils seraient incapables d'expliquer véritablement ce qu'il en est de l'anarchisme. Alors, quant à libertaire, alors ça, c'est un mot qui est tellement incriminé. Enfin, il apparaît dans le champ public toujours sur un mode très vraiment incriminant, surtout par les temps qui courent, qui sont des temps définitivement autoritaires, martiaux et coercitifs. Alors les libertaires, là, ça c'est vraiment... en gros, c'est des types, je sais pas, c'est une espèce de bande de mecs vaguement à poil, en 69, qui veulent baiser, quoi. Enfin, c'est un peu ça le truc du libertaire, qui est allé un peu loin, avec parfois des déviances un peu pédophiles, genre Cohn-Bendit, ouais. Vous voyez. En gros, libertaire, c'est un peu ça, quoi. Et les mecs auraient foutu la merde à l'école aussi, qui fait que maintenant, ce sont les élèves qui font cours. Vous êtes au courant, hein, qu'en fait, maintenant, quand vous rentrez dans une école, c'est les élèves qui font cours aux profs. Hein. Les élèves punissent les profs, enfin vraiment, et ça, c'est apparu en juin 68 à cause de l'apparition de 3 ou 4 libertaires influents. Donc voilà, tout ce que j'essaie de faire parfois dans mes livres, et par exemple dans Danazeb, j'ai un L comme libertaire. Tout le livre est d'ailleurs une espèce de déclinaison du tempérament libertaire. Bah, j'essaie juste de signaler à ceux qui ne s'en seraient pas rendus compte, et vraiment on ne peut pas leur en vouloir, que cette pensée existe. Qu'il y a des gens qui pensent de cette façon-là, qui est très très atypique, très minoritaire et très méconnu. Très bien, passons-en donc aux questions du public. Alors on vous demande de vous lever, de vous présenter, et de chanter. Et voilà, Metallica si possible. De poser une question claire et concise. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr. Ah bah
c'est la fête. Petite hésitation, là-bas. Non. Sinon, il nous en reste un, donc A. J'avais pas prévu de poser de question, mais bon, puisque. C'est une question sur la comédie, en fait. Vous avez plutôt travaillé sur des films qui sont des films sérieux, des films naturalistes dans leur approche, ou qui essayent de faire ressortir un aspect un peu dramatique de ce qui peut se passer dans le cadre entre les murs en banlieue, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la comédie, en particulier la comédie française, pour soulever des débats un petit peu de société? Est-ce qu'elle a son rôle à jouer, et est-ce que vous pensez qu'elle l'a bien joué dernièrement, dans les 10 dernières années, puis plus récemment avec qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu? Espèce de chef-d'œuvre, quoi. Non, j'en ai pas. Ma mère adore, et ça, c'est toujours un indicateur. Est-ce que vous avez des auteurs de comédie qui vous ont appelé? Ouais. Alors, je suis toujours un peu obligé de m'auto-présenter. D'abord, j'ai co-écrit une comédie qui, j'espère, se tournera dans l'année. Je parlais tout à l'heure d'un petit film qu'on a fait avec mon collectif qui est de teneur comique, et d'ailleurs, on en a fait quelques autres cette année qu'on va essayer de distribuer un petit peu ici ou là, dont la vocation est vraiment essentiellement comique. Donc, la comédie m'importe énormément. D'ailleurs, je tiens entre les murs pour un film qui est en partie une comédie. Il se trouve que ça, la chape de plomb sociétale qui s'est abattue sur ce pauvre film, on a fait une espèce de film dossier qui montrait des choses extrêmement douloureuses, ce qu'il fait. Il y a un certain nombre de scènes dans le film qui font rire, en tout cas, si je crois me souvenir de quelle était l'ambiance dans la salle. Et pour moi, quand j'écrivais le livre Entre les murs, une des choses qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est pas tant que j'avais des choses à dire au monde pour informer les citoyens français de l'état de nos banlieues, d'ailleurs je ne fais pas en banlieue, c'était dans le 19e arrondissement, mais c'était parce que je voyais beaucoup dans le quotidien d'un prof une matrice comique. Et le livre, je crois, si j'en crois ce qui m'a été dit par les quelques lecteurs qui se sont penchés dessus, était assez drôle. Donc la comédie m'importe, je la mets très très haut la comédie, extrêmement haut. Je crois pas du tout que ce soit un sous-genre, j'ai assez dit pendant ma petite intervention là qu'il y avait pour moi même une espèce de consubstance fondamentale entre l'art et le comique, et notamment entre la littérature et le comique. Donc ça, c'est un gros sujet. J'ai même fait des conférences sur le comique, j'ai fait une conférence sur Florence Foresti, que je tiens pour un artiste majeur contemporain, avec d'autres comiques. Donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a évidemment un gros problème en France avec la comédie. Énorme problème. Énorme. Alors j'ai beaucoup écrit dessus, je vous y renvoie. Dans Transfuge, j'ai fait vraiment 3 ou 4 textes sommes pour expliquer la pathologie de la comédie française mainstream. Pourquoi c'est de la merde? Pourquoi ça va pas? Et j'ai essayé de penser en structuraliste, quoi. C'est-à-dire, c'est pas que les gens qui le font soient débiles, c'est pas qu'ils soient moins drôles que moi, j'aurais pas la prétention de croire. C'est vraiment, je crois que c'est la machine qui va pas. Il y a un truc qui va pas, qui est à la fois un truc économique, c'est dans le rapport de production, c'est qui fait des comédies, pour quel public. Qu'est-ce qu'on a fait en Bon Dieu est un très très bon indicateur. C'est-à-dire, en gros, petit a, la comédie est toujours le genre que choisissent les producteurs pour se refaire un peu une bourse. Parce qu'on sait que c'est le genre qui attire le plus de gens dans les salles, comme ça, a priori. Donc la comédie est structurellement adossée au mainstream. Elle vise toujours le grand nombre. Et alors là, attention, contradiction interne. Parce que je crois que le grand rire divise. Le grand rire clive. Le grand rire est grinçant. Le grand rire va dans des zones bizarres. Sinon, c'est pas du rire. Sinon, il lui manque cet aspect clown écorché. Cet aspect grimaçant du rire, qui moi m'importe beaucoup, que c'est un rire dionysiaque, un rire rabelaisien, dit-on. Alors évidemment, ça va pas. C'est-à-dire que si je vise le mainstream, mon rire, il va s'amputer de sa substance. Il va presque se purger de lui-même, et ça nous donne des comédies pas drôles. Des comédies dont l'ambition obsessionnelle n'est pas du tout de faire rire. Elles sont plutôt... On a un petit peu dévoyé le sens de comédie, ou plutôt on l'a ramené à un sens originel. La comédie, c'est ce qui rassemble. C'est ce qui va créer un bon moment sympatoche. La comédie consisterait à traiter légèrement et sans conséquence des sujets qui, par ailleurs, pourraient avoir un traitement dramatique. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Si on va traiter un peu du racisme, en tout cas, comme ça, des petites tensions qui pourraient y avoir entre les communautés. Dieu sait si le sujet pourrait être traité dramatiquement, tragiquement, etc. Voilà. Là, on va plutôt le traiter de façon un peu bon enfant, de façon un peu à la fin, tout finit par des chansons, et entre Gaulois, ma foi, on va s'arranger. Et ce qui fait que le rire perd complètement
J'ai écrit un texte sur qu'est-ce qu'on a fait au Mont-Dieu, un long texte, et je disais à un moment, j'avais entendu parler avant de le voir, du fait que le film était raciste. Et alors, du coup, j'y suis allé pour deux raisons, pour vérifier, pour voir ce qu'il en était de ce racisme, et surtout parce que j'essaie toujours de m'informer de ce qui plaît aux gens, quoi. Je veux dire, il y a 12 millions de personnes qui vont voir un film, ça fait un peu partie de mon boulot d'aller essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Bon, j'ai très vite compris que c'était un film qui prenait acte du fait que le spectatorat majoritaire du cinéma mainstream français est vieux, et donc c'était un film pour les vieux, très clairement, avec le pari que peut-être ils amèneraient leurs enfants, ce qui a été fait. Mais j'étais un peu émoustillé par ce truc de racisme, quoi. Ça m'intéressait, c'était raciste ou pas. Et là, grande déception, et c'est ce que je dis dans mon texte, hélas, il n'est pas raciste. C'est-à-dire que ça m'aurait intéressé au bout du compte qu'il soit raciste. Pas parce que je suis raciste, ce n'est pas exactement un sentiment qui me travaille, vous voyez. En revanche, du coup, au moins, il aurait été un peu... il serait passé un petit truc, quoi. Pour une fois, on serait allé dans des zones. Bon, il n'est pas du tout raciste, ce film. Énorme déception. Il est tout à fait sympatoche. Je veux dire, en gros, Christian Clavier accepte tout à fait que ses fils se marient avec des noirs, des jaunes, des rouges, des bleus. Enfin, il y a juste le quatrième mariage où c'est le côté un peu, c'est la goutte d'eau. C'est oh là là, quand même, bon. Mais non, hélas, donc non, je crois qu'il y a une espèce de malédiction qui frappe la comédie française, mais qui est une malédiction, encore une fois, qu'on peut expliquer structurellement, économiquement, et par rapport à l'âge des spectateurs, etc. En revanche, dans les marges du cinéma français, comme d'ailleurs pour d'autres genres, il y a des gens extrêmement drôles, il y a des cinéastes qui font un cinéma minoritaire qui, lui, développe le rire que j'attends. Mais c'est vrai qu'en général, les fans de comédie comme moi s'en remettent évidemment aux Américains et évidemment à la bande à Judas Pato pour parler du meilleur auteur de comédie de ces dernières années ou à quelques séries. Parce qu'il semblerait qu'aux États-Unis, on dit souvent que les Américains sont vraiment un peuple inculte et très très bête et tout ça. Enfin bon, si on regarde leur cinéma mainstream, il est bien meilleur que notre cinéma mainstream. En revanche, je pense que notre cinéma minoritaire et indépendant est meilleur que leur. Mais ça nous emmènerait loin. Bonsoir. On a reçu il y a quelques semaines Didier Wambas, qui avait beaucoup... Ah bon ? Oui, il est venu ici aussi. Ouais. Il est venu ici même ? Donc pas dans cet amphithéâtre, mais dans un autre amphithéâtre. Ouais. Donc il y a pas mal de points communs avec vous. Ah bah oui. Et notamment le côté punk. Et donc lui, il a travaillé pendant des années en parallèle de son activité musicale, donc parce qu'il ne voulait pas se corrompre intellectuellement et dans son artistiquement, pour ne pas gagner de l'argent grâce à sa musique uniquement. Donc quelle est votre position par rapport à cette idée d'une corruption intellectuelle à travers la production artistique? Didier, il est très spécifique aussi par rapport à ça, parce qu'il vous a pas tout dit. Hein. Je le connais bien, vraiment. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis très longtemps. Il faudrait que vous écoutiez la chanson qu'il a faite là-dessus, qui s'appelle Punk ouvrier. Et elle va plus loin que ça. Elle dit pas seulement. J'ai continué à travailler autant que possible, tout en étant chanteur de punk rock, parce que je voulais me préserver d'une forme de corruption. Il dit aussi qu'il y a une puissance mystique dans son travail. Il y a aussi quelque chose qui l'intéressait dans son travail lui-même. Il dit par exemple, il était électricien à la RATP, donc c'était dans les tunnels, machin. Allez voir ce texte, il est assez magnifique parce qu'on voit qu'il vous transforme le travail d'électricien à RATP en expérience mystique. Et donc je crois que s'il voulait continuer à l'être, c'était parce que puissamment quelque chose se passait dans ce métier-là aussi. Mais il y avait aussi cet aspect de garder les pieds sur terre, etc., etc. Moi, je pense que la question, c'est toujours une question de dosage. C'est-à-dire, franchement, si vous passez l'essentiel de votre temps à composer des chansons, à composer des morceaux, à les enregistrer dans un studio, là, il n'y a pas de corruption. Là, vous êtes au cœur de l'art. Vous pratiquez l'art. Et c'est pas un domaine d'activité ignoble, quoi. Au contraire, je vais pas dire le contraire. Bon, après, ça serait plutôt les circulations périphériques. Bah, si vous passez votre temps à aller dans des cérémonies comme les Victoires de la Musique, les Césars, à aller remercier votre père et votre mère et toute la profession, là, il y a peut-être un moment où ça va commencer à vous déglinguer, quoi. Mais Didier n'est pas comme ça, donc je pense que c'est plutôt ça qui l'a préservé. C'est pas tant de rester électricien, c'est parce que fondamentalement, il était absolument réfractaire à toute cette espèce de chewing-gum périphérique, à la pratique même de l'art. Pour ce qui me concerne,
la vraie vérité de l'affaire, c'est toujours à quoi tu passes ton temps. À quoi tu passes ton temps. Si je passe mon temps dans les cocktails littéraires à Saint-Germain-des-Prés et que j'écris 2 heures par semaine, là, peut-être que mes amis peuvent commencer à s'inquiéter pour moi. Il se trouve que je passe 80% de mon temps devant mon bureau à écrire des choses, essentiellement des romans, mais beaucoup de critiques, beaucoup de choses comme ça. Bon, donc, ça va, tout se passe bien. Tant qu'on garde cette espèce de dosage-là... Et puis je pense que dans le cas de la littérature, c'est quand même pas pareil, parce qu'il y a certains travaux qui, loin de vous déconnecter du réel, vous remettent complètement le nez dedans. Moi, j'ai publié par exemple un livre en septembre dernier sur une infirmière, dans le cadre d'une collection qui s'appelle « Raconter la vie » et qui demande à des écrivains de raconter des vies du réel français contemporain. Bon, bah, du coup, écrivant ce livre, je n'ai jamais été aussi connecté avec ce réel-là, qui est un réel, je dirais... avec un grand R, l'hôpital, qui charrie lui-même énormément de réalité. Donc, il y a quand même énormément de travaux qui, bien loin de vous déconnecter, vous reconnectent, quoi. Il faudrait voir lesquels, il faudrait voir au cas par cas, il faudrait être précis. Mais dans l'absolu, je ne crois pas que de consacrer sa vie à l'art soit, comment dire, vous mettre en danger de déconnexion. Je ne crois pas. Bonjour, je vous découvre ce soir dans ce que vous dites. Moi aussi. Bonjour. Et qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une découverte. Il y a un truc. Hein. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que dans ce que vous faites, vous essayez de rendre votre travail intéressant. Première étape vers le, première étape vers le spectateur, celui qui reçoit votre travail. Et que si jamais ça ne lui convient pas, vous vous en fichez quelque peu. Et par ailleurs, dans un deuxième temps, j'ai l'impression à votre discours que vous aimez bien aller à la marge, voir ce qui se fait. Vous parlez beaucoup du cinéma indépendant français, supérieur au cinéma indépendant américain. Donc ma question qui vient ensuite, c'est qu'en est-il de votre héritage? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous? Est-ce que vous souhaitez ne pas en avoir? Est-ce que vous souhaitez en avoir un qui vous mette à la marge également, comme quelque chose pour les initiés? Est-ce que vous souhaitez être un peu mainstream? Déjà, en tant que libertaire, je suis contre l'héritage, donc ce n'est pas non plus pour le mien propre. Alors vraiment, c'est une question qui ne m'intéresse pas du tout, la question de l'héritage, ou de ce que je laisserai, ou de la transmission, tout ça. Le mot transmission ne m'intéresse pas du tout, c'est même plutôt un mot méchant pour moi, donc non, je pense que l'artiste, pour transmettre quoi que ce soit, je ne me pose pas du tout la question. Moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est qu'est-ce qui se passe pour de vrai, là, maintenant, quoi. Qu'est-ce que ça me fait d'écrire, quelle joie ça me procure, quelle intensité ça me procure. La pratique même, et éventuellement, disons, son excroissance, qui est la circulation des œuvres dans le réel. Je ne vous dirai pas que je refuse absolument d'être lu. Il m'est arrivé d'être plutôt beaucoup lu sur un livre, pas mal lu sur 2 ou 3 autres. Ça ne m'a pas fait mal, je n'ai pas souffert, je n'ai pas été blessé, quoi, donc il n'y a pas de problème. En revanche, c'est vrai que j'ai la conviction nourrie d'observation que souvent le meilleur de la pratique artistique se passe, non pas tant dans les marges, c'est plutôt dans le minoritaire. Hein. J'insisterai bien sur cette nuance. Je fais le constat que, je veux dire, alors il arrive que le majoritaire croise le talent, ça arrive. Tarantino est un grand cinéaste et il est absolument majoritaire, planétairement. Là, il est beaucoup vu, beaucoup aimé, et c'est un grand cinéaste. Ça arrive. Et puis il y a des écrivains comme ça qui sont... Bon. Et puis des artistes, enfin des peintres, des musiciens, bien sûr que ça arrive, mais quand même, oui, non, je crois qu'il y a... Et notamment pour les raisons que je disais tout à l'heure, à savoir, il n'y a que dans l'art minoritaire qu'il y a un travail sur la forme. En tout cas, il y a des propositions formelles un peu atypiques. Or, pour moi, ça m'importe énormément, cette affaire de forme. Je ne vois pas comment l'art pourrait se soutenir d'autre chose que de ça. C'est-à-dire que... Vous prenez la littérature. Soit vous considérez qu'il y a ce qu'on appelle des livres. Bon, il y a les livres, quoi. Nous sommes des amoureux des livres. On fait des émissions sur les livres. Un livre de cuisine, Flaubert, ce serait des livres. Bon, et puis on aimerait mieux l'un que l'autre. Bon. Si au contraire... Bon, ben là, il n'y a pas de problème. Si au contraire, on continue le pari que parmi les livres, il y aurait quelque chose qui s'appelle la littérature, mais ça passe par la forme. Ça ne peut pas passer par autre chose. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer par la thématique. Il n'y a pas de thématique littéraire. Il n'y a pas de thématique qui constituerait la littérature comme littérature. Je pourrais dire, par exemple, la littérature, elle parle de mort. Mais non, il y a plein de gens qui parlent de la mort. Il y a plein d'œuvres, plein de livres, plein de produits, d'émissions de télé, de talk-shows.
Donc, c'est jamais une thématique qui constitue l'art comme art, c'est toujours un travail sur la forme. Donc, effectivement, comme la forme divise, eh bien, les propositions formelles les plus intéressantes, en tout cas les plus audacieuses, elles sont toujours dans le minoritaire, ou presque toujours. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a développé chez moi le réflexe de toujours aller voir dans le minoritaire, y compris de lire parfois des manuscrits qu'on m'envoie, qui sont signés par des gens pas publiés. Je jette toujours un œil parce que je me dis, il peut se passer quelque chose là. Et je pense que c'est quand on s'intéresse vraiment à l'art, c'est une vigilance qu'on devrait avoir, quoi, un réflexe qu'on devrait avoir, et non pas de toujours épouser le goût majoritaire ou les pratiques culturelles majoritaires, quoi. Je veux dire, il y a quand même un moment, ça devient effrayant. Moi, en plus, ma position économique comme écrivain, elle est très heureuse parce que j'arrive à vivre de ma plume. Je vends suffisamment de livres pour que ça existe, pour que voilà, ça fasse consister quelque chose. Et pour autant, c'est pas non plus l'hyper-visibilité et le raz-de-marée. C'est pas mal, ça me donne une position assez confortable d'observation. Et franchement, il n'y a pas de problème, il y aura toujours du majoritaire, il y aura toujours du minoritaire, il y aura toujours des très grands talents, très très peu reconnus, mais ça, vraiment, j'ai aucune tristesse par rapport à ça. J'ai juste un tout petit peu de consternation quand je vois la grégarité des pratiques culturelles. C'est-à-dire de voir que là, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est pas pour l'incriminer lui, parce que son livre n'est pas plus mauvais qu'un autre, mais de voir que globalement, le seul livre qu'ont lu tous les journalistes depuis 2 mois, c'est Soumission, il y a quand même un moment, j'ai un peu de pitié des journalistes pour ça, quoi. J'ai un peu de pitié de leur grégarité. Et peut-être aussi d'une certaine grégarité du lectorat. Ça, je laisse chacun s'arranger avec ses propres pratiques. Mais quand même, je trouve qu'on va loin. D'ailleurs, c'est une des choses que je disais quand on a sorti Entre les murs, le film. Alors là, pour le coup, accès aux majoritaires, beaucoup de presse, plein de papiers. Et quand on faisait comme ça des rangées d'interviews, on avait des après-midi d'interviews, quoi, parce que tout le monde voulait avoir le truc, quoi. C'est une espèce de grégarité, c'est-à-dire d'un seul coup, tout le monde se met à parler du même. Je vais pas dire que j'ai envoyé chier tous ces gens, j'ai répondu aux questions, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais quand même à tous, enfin à certains, j'ai dit, et franchement, Dernier Maquis, ça vous intéresse pas du tout d'aller le voir. Dernier Maquis était le film de Rabah Amerzemesh, que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Grand cinéaste pour moi, et qui est sorti en même temps qu'Entre les murs. Et je disais pas aux journalistes, n'allez pas voir Entre les murs, allez voir Dernier Maquis. Je disais, mais tu voudrais pas consacrer juste 1h10 à aller voir aussi le film de Rabah, et puis lui consacrer aussi un petit papier. Enfin, juste comme ça, par curiosité. Tu voudrais pas un tout petit peu, à côté de ce que tu as l'air de me présenter comme un impératif rédactionnel, à savoir, il faut parler de ce dont tout le monde parle, donc le serpent se mord la queue. Tout le monde, à partir du moment où 3 personnes parlent de quelque chose, 300 personnes parlent de cette chose. Il suffit d'avoir les 3. Hein. Donc moi je disais juste ça, les gars, le film il passe bientôt là, en projection de presse, allez jeter un œil, franchement c'est pas mal. Dernier Maquis a fait 20 000, Entre les murs a fait 2 millions. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est grotesque. Une dernière question peut-être, celle de madame. L'école créatrice d'inégalités sociales, vous, comment vous pourriez imaginer l'école? Il a déclaré il n'y a pas longtemps qu'il ne faudrait plus rendre l'école obligatoire. Ouais, moi je suis pour la suppression d'école obligatoire. Comment? Concrètement, quoi mettre à la place, quoi. Bah, rien. Ouais, non, mais il y a quelque chose. C'est difficile de sortir des codes de pensée, vous savez, mais il faudrait. Penser, c'est quand même à un moment tout remettre à plat. J'entends souvent les politiques dire ça à la télé, il faut tout remettre à plat. Ils ne remettent rien à plat du tout. Il faut interroger tous les postulats. Méthode Descartes. On aurait dit que même à la rigueur, on n'existe pas. Donc on va refonder l'idée même de l'existence de l'individu. On va reprendre les choses à zéro. Je pense donc je suis. Tac, tac, tac. Pour tous les sujets, il faudrait remettre à plat. Il y a un truc qui n'est jamais re-questionné sur l'école, et Dieu sait si elle est questionnée, c'est son existence même. C'est son existence même. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'humanité a vécu sans école, et maintenant, tout le monde postule qu'elle est un meuble en pierre qui ne bougera plus jamais du salon. Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu consacrer, comme on consacrerait 1h10 pour aller voir Dernier Maquis, consacrer 1h10 de son temps à se demander, mais et si elle n'existait pas, en fait, quoi, ça donnerait quoi? Et pas pour tout de suite s'empresser de se demander par quoi on va la remplacer. Hein, je veux dire, après, moi, j'ai mes idées. Si vraiment il faut absolument la remplacer,
service public d'éducation non obligatoire, comme il y a l'hôpital qui est à disposition des gens. Vous voyez, vous êtes malade, vous pouvez de votre propre gré aller vous faire soigner. Personne ne vous force à vous soigner, en général. Vous y allez. C'est un service qu'on vous donne. Il est gratuit. Et c'est magnifique. C'est une des plus belles choses qui existent en France. J'aimerais bien que l'éducation soit pareille. Service public d'éducation. Alors après, les gens disent, je connais bien l'objection. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des gens qui, du coup, iront jamais, quoi. Enfin, je veux dire, ça sera toujours les mêmes, ce sera les riches. Bah, c'est-à-dire que ça ne changera rien, puisque actuellement, le système ne profite, quoi. Donc, en gros, ça sera la même chose. De ce point de vue-là, il sera pas plus discriminant. Simplement, on pourra y aller librement. Ce qui fout la merde à l'école, définitivement, c'est qu'on voudrait que des gens, mais ça ne se voit jamais dans le réel, ça, je ne vois pas de situation équivalente. Vous avez une situation où on demande aux gens d'avoir de l'appétence et du désir pour quelque chose qui leur a été totalement imposé. Bah, quand un gamin fait du basket, il a voulu faire du basket. Et là légitimement, son entraîneur peut lui dire « Eh oh, dis donc, ça fait 2 heures qu'on s'entraîne, tu fous rien, t'as pas l'air de t'amuser. C'est pourtant toi qui as voulu faire du basket. » Alors, une fois que t'es là, joue au basket, quoi. Là, l'entraîneur est légitime pour lui dire. Mais le prof, il n'est pas du tout légitime pour dire à l'élève « Eh non, bah non, mais tu t'intéresses pas du tout à l'économie de la betterave au Danemark, comme c'est le cas aujourd'hui. » L'élève peut légitimement dire « Non, en fait, non, pas du tout, moi je veux pas être là. » Donc si vous voulez, ça vicie quelque chose de l'intérieur dont l'école ne s'est jamais remise. Et je finis là-dessus, parce que je pourrais évidemment parler 8 heures. Pour moi, l'école n'est pas une machine qui avait une vocation égalitaire et qui a été dévoyée ou a dysfonctionné vers, pour au bout du compte, devenir la plus grande matrice d'inégalités de la société. Elle avait vocation à relégitimer les inégalités. Alors, je veux dire, ça, une fois qu'on a compris ça, on ne s'étonne plus que l'école qui, soi-disant, était faite pour recréer de l'égalité, finalement fabrique le contraire. Elle avait vocation à relégitimer les inégalités. Je veux dire, pensez bien à ça. C'était dès le début fait pour ça. Donc il est tout à fait normal que l'école soit une gare de triage où des gens échouent, des gens semi-échouent, des gens semi-réussissent et des gens réussissent. Et à peu près toujours les mêmes. C'est pour ça que quand on me dit que l'école a échoué, je réponds toujours pas du tout. L'école a parfaitement réussi ce pourquoi elle était faite. Les gens qui auraient comme moi un tempérament égalitaire devraient réfléchir à cette structure qui n'est pas une structure amie. C'est pas une structure qui est l'ami de l'égalité. Très bien, on vous laisse digérer cette déclaration tonitruante. Et on se redit donc à bientôt, le mercredi 11 mars, mercredi, notez bien, pour un débat avec Stéphane Le Foll, et tout de suite au cocktail et au concert. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.